Il aura fallu 4 jours pour retirer les blocs et pieux en béton enfoncés dans le sable de Canumera. Ces vestiges d'un ancien et prestigieux hôtel de la baie attendaient là depuis 1975. Au total, 400 mètres cubes de matériaux que la province sud doit maintenant gérer, dont une partie contient de l'amiante. Sur le chantier, tous les déchets ne seront donc pas traités de la même manière. Ce matériau-là ne contient pas de produits dangereux. Ces matériaux-là seront réutilisés. On va enlever le ferraillage que vous voyez dedans. Ensuite, les blocs seront concassés, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour remblayer la zone du Grand Wharf. Du côté de la baie de Cuteau, la province aménage une gare maritime et une zone de fret. C'est là que les déchets amiantés attendent d'être pris en charge. Alors là, on est sur le lieu de stockage des pieux qui ont été enlevés en baie de Canumera, il y a à peu près 80. On les a sortis complètement du sable, quoi. Ils ont été traités par une équipe spécialisée là-bas. Ensuite, ça a été acheminé ici. À la veille des élections municipales, la polémique sort. Une partie des déchets amiantés doit être enfouie sur le site. Il n'en faut pas plus pour réveiller les craintes de la population. Pas d'inquiétude à avoir, affirme l'institution. Tout est fait dans les règles de sécurité optimales. L'essentiel va être évacué. Il y a juste un tout petit peu de partie qui est à l'intérieur du béton. Sur lequel il y aura un enfouissement dans un film polyane, mais selon un protocole qui est validé par la Direction du Travail et de l'Emploi et par la DAS, et qui se fait pour tous les chantiers qui se font sur l'île des Pins. Même en neutralisant le risque, difficile de rassurer lorsqu'il s'agit d'amiante. Les coutumiers l'ont bien compris et se font aujourd'hui le relais des attentes de la population. Il ne faut pas qu'il y ait un enfouissement d'amiante pour éviter la polémique qui a commencé la semaine dernière. Donc pour éviter la polémique, on en a parlé déjà à la tribu. Donc la tribu est d'accord pour que l'amiante se fasse repatrier sur nos mers. Il n'y aura pas de souci à discuter avec la province. Et là, le nouveau exécutif qui va se mettre en place en fin de semaine à la mairie, et je pense qu'autour d'une table, on va bien trouver une bonne solution à tout ça. Pour l'heure, le chantier se poursuit. Objectif, offrir d'ici moins d'un an aux passagers du Betticho une gare maritime à la hauteur des ambitions touristiques de cette île paradisiaque.